Germain Lacasse, who tells me that his interests have moved from film increasingly towards lantern slides. We'll be talking about how contact with the object allows the historian to develop a more dynamic relationship with his subject. Bonjour à vous tous, merci d'être là. C'est amusant parce que quand j'étais assis là en regardant, il y avait presque personne dans la salle. Puis là, probablement c'est parce que vous saviez que j'allais intervenir maintenant. Vous êtes tous arrivés pour me surprendre. Merci beaucoup. C'est gentil. Je dois remercier sincèrement les organisateurs de ce colloque qui est fabuleux. J'ai participé quand même à pas mal de colloques depuis 35 ans à peu près que je suis dans le business des études cinématographiques. C'est le premier de ce genre auquel je participe et c'est particulièrement excitant. C'est particulièrement excitant. J'aurai des bémols sur certains aspects, mais j'avoue que c'est quelque chose qui est vraiment... qui comporte des moments de fulgurance. Je voulais commencer par ça. Fulgurance dans la mesure où c'est extrêmement rare qu'on a l'occasion de tenir en main des appareils et de voir, pour moi, c'est pas seulement l'expérience du contact physique avec l'appareil, pouvoir jouer avec, le regarder, prendre des photos sous tous les aspects, le sous-peser. Est-ce que c'est lourd? Est-ce que c'est facile à manipuler? Il y en a qui sont brisés, il y en a d'autres qui sont encore comme des neufs. Ce qui m'a le plus éberlué, ébloui, c'est la compétence de certains techniciens qui sont ici, qui sont des gens du 21e siècle, et qui connaissent tellement bien ces appareils qu'ils en parlent comme s'ils étaient en 1897. Hier, j'écoutais Anne, j'écoutais Dave, j'écoutais Martin. Ils parlaient du « no shutter, no flicker » ou « one fan, two fans, three fans, shutters », des obturateurs à une, deux ou trois pales, et quels sont les paramètres pour ajuster tout ça, le condenseur, la fenêtre de projection, la vitesse de l'obturateur, la vitesse de la projection et tout ça. Et pour eux, c'était comme si, depuis 50 ans, ils travaillaient avec ça. Ça m'a, pour moi, c'est qui est un très, très piètre technicien et très piètre connaisseur de la mécanique des appareils, c'était fabuleux. Et comme je suis venu ici pour vous parler de ce que j'appelle l'historien en situation d'évocation dynamique, ben mon Dieu, c'était une épiphanie. C'est absolument fabuleux. Alors, merci. Merci à François Lemay aussi d'avoir accumulé cette immense quantité d'objets qui nous permet de pratiquement retourner un siècle et demi derrière. Je pense qu'il y a des appareils plus récents aussi. On en parlera, j'en parlerai pas, mais on aura l'occasion de les revoir sans doute parce que cette expérience, il ne faut pas que cette expérience ne soit que la première. Ça ne doit pas exister. Je suis contre ça. Une pétition en ligne demain. Bon. Par contre, il y a un éléphant dans la pièce. Il y a un très, très gros éléphant dans la pièce. Mon collègue vient d'en parler. Le son. Vous parliez de ces machines, vous parliez des manuels d'opération de ces machines, vous échangiez sur votre expérience en tant que technicien ou en tant que réparateur ou collectionneur ou utilisateur ou curateur d'exposition. Mais jamais vous n'avez parlé du son. Je ne sais pas s'il y a des appareils de son dans la collection. Il y en a? Bon, OK. C'est parce qu'on n'a pas eu l'occasion de les voir. J'espère que l'occasion viendra. La prochaine fois, on fait un colloque sur les appareils de son dans la collection Lemay. OK? Pour moi, c'est un gros éléphant parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est comme si on faisait un colloque sur la langue et qu'on étudiait que des textes écrits. On arriverait avec des manuscrits du Moyen Âge ou des romans publiés récemment. On étudierait les syntagmes, les phonèmes. On s'intéresserait à l'orthographe. On parlerait des accents du joual dans le français écrit au Québec. Mais on n'entendrait jamais la langue. On n'entendrait jamais les différents registres de la langue, le vocabulaire des universitaires ou du peuple, la langue de la rue ou celle du théâtre ou celle de l'académie. Les différents accents selon les différents pays. C'est toute une autre vie. C'est la vie sociale, c'est la vie matérielle de la langue. Elle n'est pas dans les livres, elle est dans
les ondes qui se propagent de nos oreilles à de nos bouches à nos oreilles. Voilà. Mais ce n'est pas une critique négative. Je pense que ce colloque est génial, mais je tenais à le dire parce que pour moi, c'est un aspect, je pense, sur lequel il faudra revenir, parce qu'on oublie tout le temps, c'est extrêmement rare que le cinéma a été un cinéma muet. On l'a appelé cinéma muet jusqu'à de 1893-94 jusqu'à 1933-34. Hein? Mais très, très, très rarement, et vous demanderez à d'autres spécialistes que moi, Rick Altman ou d'autres, très, très rarement, le cinéma était muet. Il y avait de la musique. Il y avait un narrateur dans la salle, les bonimenteurs. J'ai écrit un livre là-dessus qui est peu connu parce que publié en français. Mais bon, c'est un assez bon livre. J'ai eu plusieurs prix pour. Il ne se vend plus. Hein, l'éditeur l'a pilonné après 10 ans parce qu'il restait encore 200 copies, puis il était obligé de payer des taxes sur son inventaire. Bon, ça, c'est de la petite histoire. Je vais y aller. J'aurais tellement de choses à vous dire que ça prendrait tout le reste du colloque, mais je pense que vous avez d'autres personnes qui vous intéressent d'entendre aussi. Donc, je vais y aller avec mon petit laïus écrit, quelques ajouts pas vraiment improvisés, mais notés. Je ne pourrais pas faire le tour de tout ce que j'aurais à vous dire, mais j'en ai déjà dit pas mal. Je vais essayer d'aller un petit peu plus rapidement parce que je ne veux pas voler le temps des autres. Je reviendrai sur certains aspects importants. Donc, j'espère que vous aurez compris que ma fulgurance l'emporte sur mes déceptions. Ça, c'est tout à fait le cas. Je n'ai rien à vous montrer. J'ai décidé ce matin que j'allais rien vous montrer. J'ai préparé un PowerPoint d'à peu près 40 diapos pour le colloque de l'Association canadienne dans un mois à Vancouver. J'aurais pu vous en montrer une partie parce qu'il y a des choses, il y a des trésors dans ça, mais je ne vous les montre pas. Parce que vous m'avez rien fait entendre, je n'ai rien à vous montrer. C'est une thérapie de choc, OK? Pendant plusieurs années, jadis, j'étais le conjoint d'une thérapeute et elle avait fait une formation dans une thérapie qu'on appelle thérapie d'impact. C'est qu'avec des gens fortement traumatisés, au début, on y va avec des déclarations, des confrontations très, très confrontantes, pour ne pas dire violentes, pour remettre les gens en état initial de traumatisme, pratiquement, mais pour qu'il y ait une fusion entre la compréhension du thérapeute et celle de la personne qui est en traitement. Et ça semblait fonctionner. Enfin, on s'est séparés avant que je connaisse la conclusion, mais ce que j'en sais, c'est que les cas étaient en progression. Alors voilà. J'abrège le titre que j'avais fait. Ça pourrait s'appeler tout simplement « L'artefact et l'histoire, seul ou en couple, l'historien en situation d'évocation dynamique », pour abréger la phrase. Je vous parle un peu de mon projet au début. Mon projet, donc, c'est d'écrire une histoire de la conférence illustrée au Québec. Et pour moi, conférence illustrée, c'est spécifique. Je ne veux pas écrire une histoire de la lanterne magique, je veux écrire une histoire de la conférence illustrée, parce que la conférence illustrée, ça commence vers 1830, probablement, ça a même commencé avant ça, à l'époque des forains, à la fin du 18e. Peut-être même ici, au Canada, il y a eu à la fin du 18e, je ne sais pas, des forains qui allaient de village en village, à l'époque où la lanterne était un instrument de divertissement. Ensuite, c'est passé dans les universités, dans les collèges, à partir de 1825-30. Ici, au séminaire de Québec, en 1830, il y avait déjà des lanternes magiques dans des salles de classe. Pas pour montrer des images, pour étudier l'optique. C'était un instrument d'étude de la physique de l'optique. Intéressant. Une histoire, donc, de la lanterne. Oui, je disais conférence illustrée parce que conférence illustrée, ça existe depuis 2 siècles. Ma partie de l'histoire que je connais maintenant, c'est un siècle. Mais il y a encore des conférences illustrées aujourd'hui. Chacun d'entre vous en fait presque chaque semaine dans ses classes en montrant des PowerPoints. Vous montrez des PowerPoints ou vous montrez des plaques de lanternes, des projecteurs, etc. Mais la conférence illustrée, c'est une pratique qui est dans l'enseignement depuis 2 siècles et dans la conférence publique. Quand vous allez écouter les grands explorateurs ou un documentariste qui vient dans un festival avec son film, qu'il présente, qu'il commente, qu'il discute avec le public, vous êtes dans une conférence illustrée. Sandria, ça va t'intéresser. Le terme « conférence illustrée » a même souvent été utilisé dans les journaux pour annoncer des conférences sur la musique.
un professeur de musique ou un musicologue faisait une conférence et ensuite, il jouait au piano ou au violon une pièce de, je ne sais pas qui, Berlioz, un autre, Bach. Et c'était une conférence, mais l'illustration, c'était le son, c'était la pièce qu'on jouait, il n'y avait pas d'image. Mais donc, cette pratique, elle est transmédiatique. Elle part avec l'image fixe et elle continue avec l'image animée projetée et elle va peut-être même continuer avec l'image projetée sans projection. Manoni écrivait dans le dernier numéro de 1895, j'en parlais hier avec Dave Koenig à propos de l'optigraphe. Il arrive sur le marché maintenant un écran où l'image va être projetée sans projecteur, comme sur un gigantesque téléviseur. C'est pas fait encore, mais ça commence, on expérimente ça. Bon, mais ça aussi, ça va permettre des conférences illustrées. Donc, depuis plus que deux siècles, on est dans le même paradigme, la conférence illustrée comme pratique transmédiatique et transhistorique. Au-delà de toutes les périodisations qui disent que telle forme de cinéma a commencé tel jour à telle heure puis qu'elle a fini tel autre jour à telle autre heure. Oubliez tout ça dans ma façon de voir les choses. Mon projet, donc, c'est d'écrire une histoire de la conférence illustrée au Québec, c'est-à-dire une histoire de la lanterne comme instrument pédagogique dans l'enseignement scolaire ou la communication publique. Et le lien avec ce colloque suit ici, donc, pour voir si l'examen rapproché des appareils et autres artefacts peut raffiner ma compréhension de leur usage et de leur vie passée. La compilation des sources écrites, surtout les journaux, dont je suis un fan avec certains autres historiens, me permet d'inventorier les conférenciers, les sujets, les occurrences, la réception, etc. L'examen habituel des collections archivées, fait dans des conditions de contact minimales et restreintes, ne permet qu'une connaissance et une compréhension superficielle de l'usage et du passé de ces artefacts. C'est ce qui fait que ce colloque et le labo qui l'a précédé sont géniaux. Ailleurs, on me laisse voir des plaques à projection, des lanternes conservées, mais je peux très rarement toucher les objets. Je peux les regarder derrière des vitrines. Je peux les toucher avec des gants blancs s'il y a un conservateur à côté de moi qui surveille pour être certain que je ne vais pas serrer une pièce ou que je ne vais pas laisser une empreinte. Bon. Donc, on me laisse faire ça, mais très rarement, on va me faire une démonstration et encore jamais me permettre de faire moi-même un essai. Ces artefacts, donc, sont condamnés à une vie inerte. Ce sont des momies dans des sarcophages dont on ne voit dépasser que les squelettes et les bandelettes, quand on peut le voir. Quelques considérations théoriques, donc, autour des aspects plus philosophiques de ma recherche. Il y a un livre que j'ai adoré il y a quelques années qui est écrit par l'historien du son Jonathan Stern, qui est peu connu chez les francophones, qui enseigne à McGill depuis des années. Son livre original s'appelle « The Audible Past » et son livre traduit s'appelle « Pour une histoire de la modernité sonore ». Et c'est un livre que je trouve remarquable. Stern a développé pour l'histoire de l'enregistrement sonore une approche qui peut contribuer de façon très intéressante à une histoire de la projection éclairée par l'étude des artefacts. Pour lui, l'histoire de la technique doit être associée à une histoire des sens, plus précisément, et là il cite Walter Benjamin, à une histoire de la perception sensorielle. Stern critique et déconstruit les approches métaphysiques et essentialistes qu'il appelle la litanie audiovisuelle. Il s'intéresse beaucoup plutôt à, je le cite, l'audition et l'écoute en tant que pratique acquise et spécialisée et non en tant que capacité intrinsèque. Il relativise également, et moi avec lui, ce qu'on appelle donc le visual turn. Et moi, j'ajoute aussi que je serais prudent avec le material turn, parce que l'éléphant dans la pièce, on l'oublie tout le temps, le son est presque toujours l'éléphant dans la pièce quand on parle de projection. Alors, permettez-moi de le rappeler. Si je transpose dans le domaine du son la fable du singe qui montre la lanterne, j'imagine que plusieurs d'entre vous la connaissent. C'est l'histoire d'un singe qui appartient à un montreur de lanterne. Et le singe est tellement habitué de voir le montreur qu'un jour, le montreur s'en va et le singe réunit ses amis animaux pour leur montrer la lanterne. Et il leur montre l'appareil et il fait plein d'esparages, mais il oublie d'allumer la lanterne. Alors, dans le monde du son, c'est comme si on montrait un poste de radio, mais sans jamais tourner le bouton pour entendre le son, les paroles ou la musique. L'approche de Stern est matérialiste et son examen des appareils est constamment lié aux idées et aux rapports sociaux dans lesquels ces appareils surgissent. Il pense que les médias précèdent les technologies, et c'est une hypothèse extrêmement intéressante, que moi, je pense à pondérer en disant qu'ils ne les précèdent pas, mais qu'ils les accompagnent. Ce sont des jumeaux.
Ce sont des jumeaux. Dans la mesure où les médias, les technologies sont toujours organisées en médias. Le langage parlé, c'est une technologie, c'est une des plus anciennes dans l'histoire de l'humanité. Mais parler, c'est fait pour échanger entre deux subjectivités ou plusieurs subjectivités. Et c'est le cas pour toutes les technologies, ou très peu d'entre elles, s'il y en a qui ne... Le selfie, non, même le selfie, c'est fait pour transmettre à d'autres. Bon, je continue. Pourquoi ces technologies? Pourquoi maintenant? Quelle forme sociale, quels rapports sociaux impliquent-elles? Demande Stern. Il essaie de voir quelles idées ont mené à quelles inventions et à quelles formes de perception et de réception. Je le cite encore, « Nos futurs possibles sont conditionnés par le passé, mais ils ne sont pas prédéterminés. De là vient la nécessité de coupler l'histoire sensorielle à la théorie sociale. De là découle aussi l'importance de périodiser et d'échapper aux continuités transcendantales. Si j'essaie de transposer ces principes à une étude historique de la collection d'appareils de M. Lemay, surtout les lanternes magiques, en lien avec ma documentation sur l'histoire de la conférence illustrée, je dois tenter donc de voir quelles étaient les idées de la communauté concernée et quels rapports sociaux on y trouvait. Ma connaissance déjà assez avancée de cette histoire me permet maintenant de supposer que la lanterne servait beaucoup à diffuser et enraciner des récits hégémoniques d'émergence nationale. En tout cas, dans le cas du Canada, ça me semble net. Donc, le récit de l'émergence du Canada comme pays et celle du Canada français comme nation. L'une et l'autre illustrant par la lanterne le progrès dans l'occupation et la transformation du territoire et confortant le plus souvent l'ordre social établi. Riches et pauvres, hommes et femmes, savants et ignorants, etc. Tout n'est pas toujours beau dans l'histoire, vous le savez bien, vous aussi. Où en est mon projet? Conclusion préliminaire, il me faudra encore quelques années certainement pour explorer les archives. Le projet est beaucoup plus vaste que ce que j'avais pensé. Je me disais en débutant, dans 3 ans, je me mets à l'écriture d'un livre, mais je pense qu'il y a encore 3-4 ans de recherche avant même de commencer à faire une synthèse vraiment assez importante. Il me faudra donc encore quelques années pour explorer les archives, mais je peux d'ores et déjà affirmer que la conférence illustrée fut une matrice du cinéma québécois et du cinéma canadien, autant, francophone et anglophone, Québec ou coast to coast. J'ai établi jusqu'à maintenant, seulement pour le Québec, ça, hein, seulement pour le Québec et seulement pour à peu près 15 % de la collection de journaux numérisés de Bibliothèque et Archives nationales du Québec, donc à partir d'un corpus relativement partiel encore. J'ai établi pour la période 1830-1930, donc, une liste de plus de 500 notices, comptant environ 150 organisations et 350 conférenciers de lanternes magiques ou de cinéma, dont plusieurs ont fait chacun quelques milliers de conférences pendant leur carrière, certains autour de 5 000, 6 000, dont on trouve les traces dans toutes les régions et presque toutes les localités du Québec, sans pouvoir compter non plus les personnes ou les occurrences qui n'ont pas laissé de traces, parce qu'il y en a beaucoup. La quantité est impossible à calculer précisément, mais depuis presque 2 siècles, il y a certainement eu des dizaines de milliers de conférences avec projection lumineuse, comme on les appelle souvent, qui ont certainement totalisé plusieurs millions d'entrées. C'est assez fascinant quand on commence à accumuler des données. Elles ont touché beaucoup de sujets, mais une approche leur est commune. De la lanterne magique jusqu'au cinéma numérique, ces conférences sont marquées par le colonialisme de peuplement. C'est une expression que j'emprunte à des anthropologues de générations récentes, en particulier mon collègue Louis Cornelier, qui travaille à Winnipeg. Donc, marquée par le colonialisme de peuplement chez les francophones et chez les anglophones. Ces conférences, donc, ont touché des dizaines de sujets, mais quelques-uns sont majeurs. L'évangélisation des Autochtones. La colonisation et l'occupation du territoire, le développement de l'agriculture et de l'industrie, l'amélioration de la santé publique, le développement des connaissances et de l'éducation. Et ça, c'est de 1830 à aujourd'hui. Ma conférence à la SEC, ça va être sur la sérialité, la continuité de tous ces sujets, de la lanterne magique en noir et blanc, en couleur, peinte, photographiée, au film muet, au film... sonore, noir et blanc, au film sonore, couleur, à la vidéo, au PowerPoint, au cinéma numérique. Tous ces thèmes-là traversent l'histoire de la conférence illustrée et de la projection au Québec et au Canada et ailleurs pendant 2 siècles. C'est assez évident.
Autrement dit, l'illustration des phases de cette colonisation de peuplement dans un pays nouveau, l'Amérique du Nord et ses différents territoires. Mais ces sujets ne sont pas propres à la lanterne magique, puisqu'ils demeurent les mêmes pendant l'époque suivante, où la conférence devient illustrée par des films au lieu des images fixes, tout comme ces sujets illustraient les livres avant que la projection devienne courante. Sur les divers supports d'images qui se succèdent depuis trois siècles, reculons en arrière, du livre imprimé jusqu'au logiciel PowerPoint, on voit le même autochtone écoutant le son du colonisateur, du livre de prière du père Brébeuf jusqu'au clip du Wapikoni mobile. Vous me poserez des questions là-dessus si vous voulez en savoir plus. Je vais essayer de finir parce que je vois que le temps passe vite. Il me reste combien de temps? Disons que dans 5 minutes à peu près, j'aurai terminé, puis on gardera du temps pour parler. La documentation sur les faits est assez abondante. Par contre, celle sur la théorie de la projection ici, au Québec ou au Canada, est relativement parcellaire, mais je ne suis pas rendu très loin dans cette recherche-là. Connaissance de la théorie, comment on pensait la projection à l'époque, comment on pensait la conférence illustrée, me vient surtout des écrits des enseignants catholiques de l'époque, qui étaient presque souvent des ecclésiastiques. Leur pensée sur la projection fixe s'est développée davantage lorsqu'est apparu le cinéma, ou en tout cas, ils ont commencé à en parler davantage, à réfléchir à cette question lorsque le cinéma a débuté. Et elle est liée à leur aversion envers les vues animées. Comme les films venaient surtout de l'étranger et heurtaient les valeurs catholiques rigoristes prêchées au Canada français, nos intellectuels donc se rangèrent rapidement dans l'opposition vigoureuse au cinéma, et cela jusqu'au milieu des années 30, lorsque le pape énonça l'encyclique Vigilanti Cura qui suggérait au clergé d'employer le cinéma pour sa propre propagande. Mais pendant les trois décennies précédentes, ils se cantonnèrent dans une conception de l'image fixe comme média plus moral. Écrivant de nombreux textes qui théorisaient le cinéma comme une technologie dangereuse parce que dirigée vers la sensation qu'elle subjuguait pour vaincre la rationalité. Le principal porte-parole de ce courant fut le professeur de littérature de l'Université Laval, Camille Roy, premier historien véritable de la littérature canadienne-française, qui publia en 1916-17 une longue série de textes dans l'Action catholique pour développer cette idée en s'appuyant sur un théologien français jésuite de l'esthétique appelé Longueuil, dont on a réédité au Québec le principal ouvrage à cette époque aussi. Mais cette idée était déjà dans l'air. 10 ans auparavant était apparue une organisation qui défendait des idées un peu semblables, la Société coopérative des conférenciers projectionnistes canadiens-français. Cette organisation a été établie à Montréal en 1908 par 2 citoyens français, les frères Lemarquand, qui tentèrent de devenir les représentants au Québec de la firme parisienne La Bonne Presse. Ils ont ouvert un magasin, ils ont publié une brochure, ils ont fait de la publicité dans des journaux. La brochure décrivait longuement les conclusions enthousiastes du clergé français quant à l'enseignement par l'image fixe. Et si vous connaissez un peu l'histoire du cinéma catholique en France, vous connaissez Georges-Émile Coissac. Coissac a écrit un livre, le manuel pratique du conférencier projectionniste, où il insiste sur la primauté pédagogique donc de l'image fixe. Et dans les rares textes qu'on trouve sur la pédagogie de l'image à l'époque, ce qui est privilégié, c'est l'image fixe. Cette brochure, donc, qui décrivait longuement les conclusions du clergé français sur l'importance de l'image fixe, dont parle aussi Camille Roy dans ses articles. Les frères Lemarquand font des projections à Montréal, dans quelques villes de province. Des clients répondent à l'offre, entre autres le botaniste Marie-Victorin, très, très réputé comme scientifique, c'est un scientifique remarquable. Peu intéressé par le cinéma qu'il trouvait puéril, mais impressionné par la lanterne et ses capacités pédagogiques. Marie-Victorin a été un des clients de ce magasin, donc des frères Lemarquand. Mais le magasin n'a pas fonctionné très longtemps. Après 2 ans, les annonces disparaissent des journaux et leur adresse disparaît du bottin téléphonique et du bottin des commerçants montréalais. Par contre, le frère botaniste est si enthousiaste, j'ai presque fini, qu'il apprend à faire de la photographie et des plaques à projection artisanale. Il a constitué en 30 ans une collection absolument originale de 25 000 plaques, léguée à l'Université de Montréal où elle est momifiée. Mais Marie-Victorin l'utilisait dans tous ses cours et ses conférences publiques. Il a enseigné pendant
30 ans à l'université et ailleurs. Vers la fin de sa vie, il accepta de faire tourner des films pour publiciser le jardin botanique qu'il venait de fonder. Mais il semble avoir toujours préféré les images fixes, même si l'objet de sa recherche était la vie active de la végétation laurentienne. J'en conclus qu'il avait accepté le postulat de l'image fixe comme média fondamental pour l'enseignement et qu'il n'en dérogea presque jamais. Même si sa pensée scientifique évolua de l'essentialisme chrétien au darwinisme totalement assumé vers la fin de sa carrière. Si je reviens à Stern, donc, que je citais au début de ma présentation, et sa vision épistémique matérialiste de la technologie, je pense que le cas du frère Marie-Victorin illustre bien comment les idées sur les techniques et les appareils influencent l'invention, le choix et l'utilisation des médias et des machines. Je n'en suis pas encore certain, mais je pense que cette façon de voir était la même chez les églises protestantes aussi, parce que j'ai inventorié beaucoup de collections léguées par des ministres du culte des églises protestantes du Québec, et il y en a beaucoup. Au musée McCord, il y en a des tiroirs pleins. Eux aussi théorisaient la projection fixe comme un moyen pédagogique encore plus puissant que celui du cinéma. Il y avait une fixation sur l'image fixe, on pourrait dire ça comme ça. Il y avait certainement d'autres conceptions dans la société civile. Je ne suis pas rendu là dans ma recherche. Pour terminer, peut-être juste deux, trois phrases au sujet de la collection Lemay. La collection Lemay est fabuleuse, donc, et au prochain colloque, donc, où on va exposer largement et étudier les appareils de sonorisation du monde cinématographique, on va pouvoir davantage parler de la conférence illustrée et vous viendrez écouter ce que j'aurai à vous dire de plus. Merci. Ben moi, c'est plutôt pour Germain. Merci pour la conférence illustrée. Enfin, on l'entend de magique, c'est vrai que c'est peu, enfin, même en France, c'est encore peu étudié. Je voulais compléter par rapport à cette préférence par les institutions religieuses ou d'enseignement sur cette préférence de l'image fixe. C'est que c'était quand même le professeur qui manipulait l'appareil. C'est compliqué de manipuler un appareil et de parler pour expliquer. L'appareil fait du bruit. Et en fait, le film animé va montrer, mais la plaque fixe va expliquer et va permettre d'insister. Et c'est vrai que, par exemple, sur le projecteur Coq ou le Pathé Baby, en fait, le projecteur Coq, au départ, n'a pas d'arrêt sur image. Et Pathé va essayer d'avoir l'agrément à l'Éducation nationale pour que cet appareil soit agréé. Et ils vont rajouter un arrêt sur image. Et vraiment, l'arrêt sur image, ça va permettre, finalement, de redonner la parole, vous parliez du son, au professeur qui va pouvoir maîtriser son cours, alors que le cinéma, comme c'est une image qui passe très vite, on ne peut pas s'arrêter. Donc c'est vraiment de redonner la parole au conférencier. Enfin, je pense que c'est un peu de cette direction-là, de cette préférence de l'image fixe sur l'image animée pour le cinéma d'enseignement. Et c'était devenu une règle. Il fallait que les projecteurs, pour avoir l'agrément, il fallait que le projecteur de cinéma ait une possibilité d'arrêt sur image ou une double lanterne, un basculement entre l'image fixe et l'image animée. Merci pour cette précision, mais je pourrais ajouter juste une anecdote. J'aurais pu vous montrer une publicité que j'ai piquée dans, je pense que c'est Moving Picture World, ou plutôt un périodique sur le cinéma éducatif. Mais vers 1927, au Québec, le service provincial d'hygiène publique achète 30 projecteurs pour ses 30 conférenciers projectionnistes qui visitent les régions, les petites villes, pour des campagnes de projections avec des films sur la santé publique. Ils achètent un projecteur Aladdin vendu aux États-Unis, dont la publicité disait « Avec ce merveilleux projecteur portatif léger, il est possible de faire des arrêts sur image aussi longs que vous voulez pour pouvoir en parler aussi longtemps que vous désirez sans que la pellicule même ne réchauffe. » Il y a aussi ce phénomène intéressant que un certain moment, on utilise le film 35 mm pour des projections de diapositives. Hein. Ouais. Donc, cette fusion est très intéressante. Aussi. Ouais. On peut arrêter l'image. Ouais, oui, mais on les voit, ils sont mis sur un film, mais on les voit image par image. Donc, c'est une fusion des deux techniques. Oui, hein. Comme le film strip. Oui, le film strip. Intéressant, oui.
intéressante là, que nous sommes en habitude de séparer les périodes, lanterne magique, cinéma. Oui. C'était pas comme ça. Il y a une continuité de façon d'utilisation. Oui, c'est ça. Marc, tout à l'heure, je suis pas sûr d'avoir tout bien. Oui, Marc, je suis pas sûr d'avoir entièrement compris la conférence. C'est à propos de la comparaison entre la collection que j'ai donnée et celle de la collection Vrilinch. Vous avez mentionné que ma collection était plus côté brocanteur. En fait, je vais vous donner les deux aspects qui ont dirigé la... Ah, ok. Donc, j'ai pas compris. Donc, c'est ça, c'est pas... Donc, j'ai pas compris. Mais je vais quand même faire une précision. Deux des aspects qui m'ont dirigé dans la recherche des pièces. Une première, c'était une recherche des pièces rarissimes, voire prototypes, donc qui sont en question de format, des formats 11 mm, 17,5 mm, 28 mm, 22 mm et autres. Et également des appareils, des conceptions qui ont été des échecs commerciaux, parce qu'automatiquement, ces pièces sont rarissimes aussi. Et donc, ça a été ce côté-là, de trouver ces pièces à travers le monde. Donc, c'est un petit peu un des aspects de la collection. Et le deuxième aspect, c'est que j'ai essayé, contrairement à beaucoup de collections, qui sont des collections thématiques, qui soient sur un format, sur une période, sur un type d'objet, ou même... je parle des objets, ça peut être sur des films. La particularité de la collection, c'est qu'elle est un petit peu emblématique et représentative de la production mondiale de tous les temps. Alors, elle est plus exhaustive que dans certains cas, par exemple pour des pays qui ont produit beaucoup au niveau des États-Unis. On est de ce côté-là de l'Atlantique, donc c'est plus facile d'avoir accès, d'une part, à cause des coûts de transport qui sont gigantesques dès qu'on parle d'équipements de projection, parce qu'ils sont très lourds, d'autant plus que s'ils sont sonores, hein, pour M. Lacasse. Alors, il y en a beaucoup, des appareils sonores, mais effectivement... Mais en ce qui concerne l'intérêt de la collection, ici au Québec, c'est qu'il y a environ 30 à 40% de l'équipement de la collection qui n'a jamais été vendu en Amérique et encore, et souvent, qui n'a jamais été vendu au Québec. Donc, cet aspect-là de l'avoir ici à l'université, c'est quelque chose qui... On n'est pas obligé d'aller à Amsterdam ou à Paris ou dans un musée à Paris ou à Potsdam pour voir ces équipements. Maintenant, c'est sûr qu'il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui ne sont pas là, parce que même dans des collections, que ce soit les cinémathèques françaises ou ailleurs, ou des collections privées en Europe, ils ont eu accès plus facilement à l'équipement. Et là, souvent, je vois de l'équipement que j'aimerais bien avoir, que je pourrais acheter en France, mais quand je vois l'équipement et le coût de transport, ça devient une impossibilité, disons à court terme, il faudrait une organisation qui soit assez conséquente. Merci. Bon. Germain, l'équipement cinématographique sonore, il y a de quoi faire un colloque sans aucun problème. Merci. Il y a juste à décider les dates. Oui. Je peux ajouter que les musées en Allemagne, ils ont beaucoup d'appareils de son, registrement de son, oui. Ouais. Parce qu'ils étaient les premiers en Europe pour la sonorisation des films. OK. We have officially run out of time, but I think I can maybe take a couple of minutes more because it's fair to the speakers. Who've got us started. And I have a question I'd like to address to both contributors, but I don't want to use up anyone else's time. So I'm looking around to see
Now is the moment to raise your hand if you want to intervene. I love the French word intervention, because for to an Anglophone, it sounds like I'm intervening, but it's the normal word for making a contribution. Okay, well, let me address my question then to both, because I think it really actually goes back to Dave's first point, which is, what is the value of being able to touch and handle the equipment? I think this is the question which this whole event circles around. What difference does it make if you, as an ex-curator, now an academic, and you as an academic who began in conventional academic fashion, if I may say so, but you're moving closer to the objects. Yeah. So what is the value? Can you be precise or evocative? What is the value of being able to touch and handle the equipment? Ben, je peux commencer. Oui, oui. Ben pour moi, c'est un peu ce que j'ai exposé au début. C'est vraiment comme une expérience différente. Si je compare avec ma méthodologie, moi, je travaille avec des journaux, jadis des microfilms aujourd'hui, des journaux disponibles en ligne, mais je suis assis pendant des heures à repérer les articles que mon logiciel de reconnaissance de caractère me suggère. Puis j'en vois d'autres qu'il n'a pas vu et que moi, je trouve. Bon, mais je n'ai pas d'appareil devant moi. Quand on parle de ce projecteur Aladdin, je ne l'ai jamais vu. Je l'ai juste vu dessiner dans une revue. Si on parle de y avait à Montréal un photographe assez connu dans les années 20 qui s'appelait Gary Epi, qui faisait des photographies de patrimoine, des vieilles maisons, des paysages. Mais personne ne le sait, mais ce monsieur-là, il vendait, il louait, il distribuait du matériel de projection, lanterne magique et projecteur. Il était concessionnaire du Cosmographe pour la région de Montréal. Mais un cosmographe, j'en ai jamais vu. J'en ai pas vu. Peut-être qu'il y en a un dans la collection. Bon. Mais c'est ça. Hier, ce qui me fascinait, hier et avant-hier, c'est de pouvoir manipuler les appareils. Est-ce que c'est lourd? Est-ce que c'est difficile? Puis finalement, je vois que la technologie de l'époque était peut-être pas très complexe, mais sa manipulation exigeait beaucoup, beaucoup de compétences, d'expérience. Ce n'est pas une machine qu'on pouvait faire fonctionner facilement la première fois, un projecteur Edison, même si ça ressemble à une machine à coudre. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Puis à l'époque, il n'y avait même pas le son. Le son, c'était le conférencier dans la salle qui s'en occupait. Donc, quand je parle d'historien en situation d'évocation dynamique, c'est qu'on ne peut pas, on réussira jamais à recréer le passé. L'astrophysicien qui est mort il n'y a pas longtemps, comment il s'appelait l'anglais infirme, Hawking. Hawking disait, s'il existait une machine à voyager dans le temps, ça fait longtemps que les voyageurs du temps seraient venus nous voir. Ce n'est pas arrivé. Je ne pense pas que ça va arriver non plus. Mais on ne peut pas reconstituer le passé, on peut l'évoquer, mais ce que l'historien cherche à faire, c'est l'évoquer de la façon la plus significative possible. Donc, si j'écrivais un livre à partir d'articles de journaux, des coupures, de citations, de livres, de photographies, mais que jamais j'aurais pu toucher à ces objets-là, il me semble qu'il me manque un bras, il va manquer deux chapitres dans mon livre. Il y a une expérience de la tactilité, de la physicalité, de la matérialité que je n'aurais pas. Et ce colloque est génial pour cet aspect-là, parce que je ne deviendrai pas un opérateur de pâté-coq de je ne sais pas quelle année. Mais au moins d'avoir pu voir les appareils, les manipuler, les prendre, pas juste avoir quelqu'un qui me les montre avec des gants blancs, puis regarder, il y a ceci, bon. Les musées qui ne veulent pas que les gens touchent, là, ils devraient faire des répliques à l'identique, c'est facile à faire. Aujourd'hui, avec les machines qu'on a, on peut imprimer des copies de projecteurs anciens, si on veut. Ils pourraient au moins nous permettre de toucher des répliques et de voir comment ça marchait et qu'est-ce que ça permettait de faire. Et il y a d'autres conférences à venir dans le colloque. Paul Moore va nous parler des difficultés du transport des appareils. C'est des contraintes physiques auxquelles étaient exposés les gens qui faisaient le métier de conférencier ambulant. Et il y a des gens qui ont fait ça pendant 40 ans, 50 ans. Alors,
C'est des contraintes qu'il devait affronter et qui permettent à l'historien de comprendre quelle était la difficulté de ce métier à cette époque. Voilà. Le passé devient plus complexe, voilà. Plus solide. Oui, merci. I see it as a kind of experimental archaeology to touch the objects, but also to get in touch with the methods. The first cinema pioneers were used, yeah. As we see the complexity of some of these first movies, and where they're made with these rather primitive cameras, it's unbelievable, yeah. Without a reflex viewer, and so on. The manipulation of the handle, yeah. And so on, it's an experience we never had. Even when I was a curator, I didn't dare to touch. to touch the objects. It was forbidden also. Ah, yes. Yes. Okay. Well, thank you very much, both very much for your personal reflections on what the value of touching is, because I think we're going to be hearing a lot about this. Let's keep in touch. Well said. Thank you. Okay.